marche ce matin. Ah bah voilà, ça marche. Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une vidéo un petit peu spéciale. Eh ouais, ça va Kiki? Kiki? Où est-ce qu'il s'est fourré encore celui-là? Oh, vous savez, en ce moment, c'est pas la grande forme pour Kiki, hein. Ça va pas des masses, hein. Disons que la dernière fois, si vous vous souvenez bien, on a dû fuir l'appartement parce qu'il y avait des esprits qui hantaient l'appartement. Approchez, je vais vous dire un truc. Plus près. Pas trop. Hop là, c'est bon. Je crois bien qu'ils sont revenus. Ouais. Je vous jure, c'est un truc de fou. Ouais, Kiki, il est pas bien en ce moment. Je crois bien qu'il est possédé, mon vieux. Je sais même pas où est-ce qu'il est, là. Je vous jure, il va pas bien. Il fait de la roue matin, midi et soir. Il a fait peut-être bien plus de kilomètres en un mois que j'en ai fait dans toute ma vie, mon vieux. C'est un truc de malade, quoi. Il fait que ça, mon vieux. De la roue. Je vous jure, mon hamster, il est possédé. Bah, c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de déménager. C'est un truc de fou, je peux plus rester dans l'appart, hein. Il y a des esprits partout. Mais c'est peut-être bien pour ça qu'il fait de la roue, en fait. Ça se trouve, il essaye de fuir les esprits, voyez? Je sais pas. Bref, je vais vous faire visiter mon nouvel appart. Allez, c'est parti. Let's go. Suivez-moi. Vous avez vu ça? Je voyage vite, hein. C'est un truc de fou, hein. Bon! Eh bien, en fait, comme vous l'avez compris, je déménage. Ouais, j'ai appelé un prêtre pour Kiki, il doit être exorcisé demain, donc, ça va bien se passer. Il doit y jeter un peu d'eau bénite sur la gueule, et puis, voilà, il va le déposséder, le machin, tu vois pas? Donc, je vais vous faire visiter mon nouvel appart, du coup, parce qu'en fait, si vous voulez, si dans les prochains jours à venir, vous voyez un petit peu le décor qui change derrière moi dans les vidéos, c'est normal. En fait, si vous voyez tout simplement qu'il n'y a plus de décor derrière moi... C'est qu'il n'y a plus rien, parce que si vous voulez, là en ce moment, je suis en train de faire les cartons. Donc voilà, le nouvel appart. Parce qu'il faut savoir que l'ancien, il était tout petit. C'est un truc de fou, quoi. Je vais vous faire visiter les gens. Voilà donc le nouvel appart. Et c'est comme ça. Là, c'est l'entrée. Voilà, il y a le petit interphone et tout. Il y a la porte ici. Là, il y a une pièce. Tranquille. Après, il y a le salon. Voilà, parce que faut savoir que l'appartement d'avant, il était tout petit. Hein. Franchement, pour faire les vidéos, c'était un petit peu chaud, quoi. Là, vraiment, je serais franchement pas mal. Donc là, il y a le salon, voilà. Là, il y a la cuisine et tout, tranquille. Ça fait genre une petite cuisine américaine et tout avec un bar. Franchement, c'est stylé, j'aime bien. Voilà, là, il y a la salle de bain. Bah, je peux pas allumer la lumière encore parce qu'il n'y a pas encore l'électricité. Mais c'est pas grave, j'ai la vision de nuit, regardez ça. J'ai la night shot, on va pouvoir visiter les fantômes dans ce nouvel appartement. Ouh, je vais faire une enquête, de toute façon, vous inquiétez pas. Il va y avoir une enquête. Ouais. Là, c'est vraiment la visite, quoi. Donc voilà, là, c'était la salle de bain. Voilà. Ici, c'est l'endroit où on va pouvoir venir prier. Donc ça, c'est bien cool. Ici, il y aura la chambre. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. La chambre, elle va être là et tout. Et là, laisse tomber. Ça donne direct sur le parking derrière et tout. Donc ça, c'est bien. Je pourrais garer ma voiture là. Comme ça, je verrai s'il y a des voleurs et tout. On sait jamais. Là, il y a une super penderie. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc ce qui va changer par rapport à l'ancien appart, donc je dis l'ancien appart, mais je suis toujours dedans actuellement, c'est que maintenant, j'aurai une pièce dédiée au PC. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce que j'ai pas dans l'autre appartement, en fait. Parce que l'autre appart, mon PC, il est dans la chambre et tout, donc c'est un petit peu la galère. Là, je vais vraiment pouvoir faire mes vidéos comme je veux. Donc, regardez. Je vous fais visiter. Voilà. Là, on a une petite pièce, ça s'ouvre comme ça. Et là, en fait, il y a un petit étage. Et en bas de cet étage, on a une pièce. Voilà, tout simplement. Et en fait, ici, ce sera, ce sera la pièce spéciale PC. Je vais faire mon bureau par là. Je sais pas encore comment je vais le faire. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais dispositionner tout ça. Mais dans les jours à venir... Il est possible que vous voyez la transition de l'autre appart jusqu'à celui-là. Alors ce qu'il y a, c'est que ça risque de résonner un petit peu parce que pour l'instant c'est vide. Hein. Comme vous voyez, l'appartement il est pas meublé, hein. Faut tout que j'achète quoi. Y a rien du tout. Donc voilà, faut que je meuble. Regardez ça, je peux espionner les voisins d'ici. C'est pas une poubelle ça, c'est fou là mon vieux. Donc pour le moment, je sais pas encore comment je vais dispositionner tout ça, mais je vais essayer de me débrouiller, hein. De toute façon, voilà, franchement, ça va être mieux. Ça va être mieux parce que franchement, j'aurai plus de place et tout pour faire mes vidéos. Ça va être nickel, voilà. Regardez ça. Hein? Elle est pas belle la vue d'ici? C'est plutôt magnifique, ouais. Eh ben, c'est bien comme ça. Voilà. Kiki, on va le mettre là, juste ici. Eh ouais,
Il a déjà sa place, vous inquiétez pas, il va être bien, tout tranquille, voilà. En espérant bien entendu qu'il ne soit pas dérangé par des esprits frappeurs. Ça, on sait jamais, ils peuvent nous suivre, hein. On est à l'abri de rien. Eh ouais. D'ici, je pourrais espionner les voisins. Intéressant. Donc voilà les gens, c'est vraiment une vidéo informative. C'est pour vous dire que je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour les vidéos dans les jours à venir. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, j'ai encore pas l'électricité d'allumer. Donc voilà, va falloir un petit peu que je gère mon temps entre le déménagement, les vidéos. Faut que je repeigne mon ancien appart aussi. Et bah tiens, ça me fera l'occasion de faire un vlog, mon vieux. Ça me fera l'occasion de vous montrer mes talents de peintre. Eh ouais, vous inquiétez même pas, on m'appelle Picasso dans le domaine. Alors, on vous l'avait pas dit, ça, hein? Eh ouais. Vous la voyez, là, s'il y a une grosse mégale qui sort de là? Bah mon vieux, là, je suis pas clair. Hein. Je vous le dis direct, hein. Enfin, bon. Voilà les gens, donc dites-vous bien que dans les jours à venir, ça va être dur pour moi de faire des jeux vidéo. Donc soyez un petit peu compréhensibles le temps que ça revienne. Mais de toute façon, je sais très bien que vous allez être compréhensibles parce que j'ai une très bonne communauté, vous êtes super, donc ça, ça fait super plaisir. Et de toute façon, je vais faire ce que je peux pour faire les jeux vidéo. Parce que forcément, moi, c'est pareil, hein, j'ai envie de jouer aussi. Hein. Donc voilà, je vais retourner aller voir Kiki comment il se porte. Bon, de retour à la maison, les gens. Kiki ? Ça va, Kiki ? T'inquiète pas, j'ai pris rendez-vous avec le prêtre, mon Kiki. Il va venir. Ouais, ouais, il va nous exorciser tout ça. Bon, sur ce, les gens, je vais vous laisser sur cette vidéo. Et puis, quand j'aurai meublé mon nouvel appartement et tout, je vous ferai faire une petite visite. Ça pourrait être cool. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, bye !